وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Pourquoi ici Allah tabaraka wa ta'ala en arabe il n'a pas dit fa'awaka? Pourquoi il n'a pas utilisé le pronom il t'a accueilli? Il a plutôt dit subhanahu wa ta'ala alam yajidka yatiman fa'awa. Il t'a trouvé orphelin et il a accueilli en général. Les savants disent pour deux raisons. Premièrement, une raison de rime. Car comme on voit ici, tout finit avec un alif, marsoura. Donc, pour rester dans les rimes. Mais il y a un sens aussi, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala dit fa'awa, il t'a accueilli. C'est pas il t'a accueilli. Il t'a accueilli et il accueille tous ceux qui suivent ton chemin. Ça reste large. Il ne l'a pas spécifié seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.